Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Alors que petit à petit nous nous rapprochons de la libération de la Terre, des dotations et fonds humanitaires avec 6-0 commencent à être attribués à la construction et l'installation de centres de lits médicaux dont certains projets commencent à être pris en compte pour les mettre en place. Lorsque les fonds humanitaires seront totalement libérés, les centres vont commencer à pouvoir s'installer. La plupart des centres seront au départ sous le contrôle des armées de chaque nation où ils seront installés. Ces centres ne sont pas approuvés à la légère et tous ceux qui postuleront pour en installer un ne seront pas approuvés systématiquement. La sélection est très stricte et les centres doivent correspondre aux critères en vigueur dans chaque pays pour l'installation et l'ouverture de leur établissement au public avec des handicaps, faute de quoi ils ne seront pas choisis. Les conditions d'installation et surtout de sécurité pour le public concerné passeront avant tout et dans un premier temps, probablement que 90% des projets n'obtiendront pas d'autorisation pour installer un ou plusieurs lits médicaux dans leur centre de soins. Par ailleurs, les personnels qui y travailleront seront choisis sur le volet. Une prise en charge psychologique des patients sera effectuée en amont de la guérison par lits médicaux et les personnels soignants seront formés en particulier à la psychologie de la réadaptation pour les patients, mais aussi pour leurs familles. Mais il y a des traits individuels dont les personnels auront besoin et quelque chose qui ne s'enseigne pas. C'est la compassion et l'empathie. Et vous en aurez besoin avec chaque membre du personnel, qu'il ou elle soit infirmière, docteur, soignant, jardinier ou cuisinier. Vous aurez besoin de personnel qui possède déjà naturellement cette compassion et cette empathie, une grande éthique et le respect des autres, car vous aurez aussi à prendre en charge les membres de la famille qui s'occupait par exemple d'un tétraplégique depuis plus de 20 ans et d'un coup cette personne va remarcher et tous auront besoin d'aide psychologique pour rattraper ce qu'ils ont tous perdu pendant si longtemps. Ensuite, il vous faudra des chambres pour accueillir les patients. Vous devez définir le nombre de patients que vous allez pouvoir accueillir. Prévoir un fauteuil roulant, des lits mobiles comme ceux qui sont dans les ambulances. Quel type de service allez-vous offrir? Vous devez penser à une cafétéria ou une cuisine, une salle à manger et des repas sains parce que lorsque vous accueillerez des patients de ce type, ils auront probablement besoin de traitements à long terme. Ils seront dans votre centre pendant des jours, voire des semaines. Il faudra aussi prévoir une salle de méditation et de yoga, comme espace spécialisé ou des salles de réadaptation et de prise en charge pré-opératoire et post-opératoire, comme dans un hôpital. Il faudra prévoir un endroit pour prendre l'air, une cour aménagée ou un jardin, une aire de jeu, car vous n'aurez pas seulement des adultes, vous aurez aussi des enfants. Vous aurez aussi des patients bébés qui arriveront avec leur famille, donc vous devez prévoir de pouvoir recevoir au moins la mère, mais aussi une partie de la famille, tout autant qu'avoir les équipements pour traiter ces bébés. Il faudra aussi prévoir d'être en relation avec des refuges pour animaux ou des centres de soins animaliers ou un vétérinaire, car lorsqu'un patient âgé arrive, il ou elle aura besoin de confier son animal de compagnie
à des personnes qui pourront s'en occuper pendant le temps de leur traitement. Maintenant, imaginez qu'arrive dans votre centre un patient vétéran d'une guerre ou un paraplégique ou quadriplégique. Les lits médicaux feront repousser leurs membres, mais il faudra renforcer ces membres et une période de réhabilitation sera nécessaire et vous devrez fournir un physiothérapeute et de la rééducation, donc vous aurez aussi besoin d'une salle de gym, d'une piscine et des coachs individuels. Vous pourriez aussi faire de l'équithérapie et avoir recours aux chevaux dans l'aspect cicatrisant des patients. Mais vous pourriez créer un centre de guérison spécialement adapté pour les animaux, car les lits médicaux peuvent être construits par rapport à la morphologie de ces derniers. Pour l'instant, les lits médicaux ne sont pas encore disponibles et tout centre vous les proposant fait mention d'un autre type d'appareil. Vous devez donc être très vigilant sur ce qui vous est proposé. Il y a actuellement de nombreuses arnaques en ligne. Je voudrais maintenant vous parler d'une Australienne qui fait partie et travaille encore pour le programme spatial secret, le SSP. Elle l'était et elle est toujours au sein de cette organisation. Pendant son service dans le SSP, elle a passé pas mal d'années sur Vénus pour apprendre les technologies des lits médicaux et les technologies de guérison plus avancées. Elle était un mentor et un guide en guérison vibratoire au sein du SSP. Elle a aussi servi de mère porteuse de nombreuses fois. Elle a donc l'expérience non seulement au sein du SSP, mais elle a déjà utilisé un lit médical elle-même. Elle sait donc ce dont il s'agit. Elle s'occupe en partie du déploiement des lits médicaux sur Terre. Elle s'appelle Sky Prince. Sky vit en Australie. Elle est médium et praticienne en médecine vibratoire, spécialisée dans le développement spirituel et l'éducation. Elle fait des conférences sur la médiumnité psychique, des séances de guérison vibratoire et de conseils spirituels. Elle est mentor dans le développement de la médecine spirituelle et vibratoire. Elle est en train de préparer un très gros projet de construction et d'installation d'un centre de guérison par lit médical. Son projet comprend 100 chambres avec les personnels soignants qui les accompagnent, une cafétéria, un gymnase, une piscine, un jardin, une aire de jeu, comme dans un grand hôpital. Elle prévoit aussi de faire de l'équithérapie et ce centre accueillera 200 à 250 étudiants pour l'apprentissage dans les différents domaines associés aux lits médicaux. C'est donc une personne à suivre aussi bien sur son site que sur YouTube, que sur les réseaux sociaux, Telegram et Facebook. Mais en particulier sur Telegram et Facebook, elle a ouvert un groupe Facebook où les personnes intéressées qui mettent en place un projet peuvent s'inscrire par pays et leur projet sera affiché soit en attente d'agrément, soit déjà agréé. Voici toutes ses coordonnées. Vous pouvez la suivre pour avoir des nouvelles fraîches sur l'avancement du déploiement des lits médicaux sur sa chaîne YouTube, activer la traduction automatique de l'anglais vers le français. Le groupe Facebook est aussi une bonne ressource si vous envisagez de postuler pour un emploi dans l'un de ces futurs centres en projet qui seront dans différents pays ou encore si vous ou un membre de votre famille a besoin de soins. Par ailleurs, il existe, comme vous le savez déjà, probablement, un grand nombre de thérapies alternatives de réatomisation ou de rajeunissement qui ont été créées par des terriens. Ceux que je connais le mieux sont
Teraphi et Cantaphi, car je les ai testés. Bien sûr, je vous les présente, mais je ne suis pas du tout impliquée dans leur commercialisation ni leur vente. Je vous passe l'information de manière bénévole. Teraphi a été créé par Dan Winter, un physicien, et Paul Harris, un ingénieur. Teraphi crée un double champ bioactif plasmique, lumière et infrasons, tous les deux conjugués. Les tubes à plasma utilisés pour l'inversion du temps et le rajeunissement est un ensemble des deux et une phase centripète et négantropique. L'appareil génère de fortes sensations d'énergie et d'accélération métabolique. Il facilite la circulation sanguine et nerveuse, comme il accélère le métabolisme et la fréquence cardiaque et envoie le sang vers un point fixe, sacré dans le crâne, qui est un nexus tournant pour la guérison, les séances ne doivent pas durer plus de 3 minutes. Dans un grand nombre de cas, un sentiment de bonheur et de bien-être envahit le patient. Dan Winter, le physicien qui fait tous les calculs, est un très bon ami que j'ai rencontré en 2018, il y a donc 4 ans, avec sa compagne Valérie Sandelin. Quand j'habitais dans les montagnes Qatar, nous avions l'habitude de nous réunir chaque semaine pour discuter, car ce sont deux des 40 personnes que j'ai mises en contact avec des extraterrestres dans le groupe d'échange que j'avais créé. Ils sont donc tous les deux des contactés directs. Puis Dan m'a invité à un congrès qu'il avait organisé en 2019, où une douzaine de créateurs présentaient leur appareil et nous les faisaient essayer. J'ai donc testé Teraphi, la guérison plasmique, et Cantaphi, la guérison par le son. Tous les deux sont impressionnants. Mais j'ai beaucoup aimé Cantaphi, car jamais auparavant je n'avais entendu un son terrestre aussi pur. Donc voici les sites de Dan où vous trouverez toutes les explications nécessaires ainsi qu'une longue liste de centres de soins qui utilisent ces appareils avec leurs patients. Voici les lieux en France, en Belgique et au Canada. Mais si vous allez sur les sites, vous en verrez de nombreux autres. Dan et Valérie habitent dans le sud de la France, donc vous pouvez les contacter. Ils peuvent se déplacer et vous pouvez aussi les inviter pour une interview en ligne ou une conférence pour qu'ils présentent les produits. Je souhaiterais maintenant répondre à des questions qui m'ont été posées. Question. Les lits médicaux pourront-ils permettre aux personnes qui ont été vaccinées contre le Covid-19 d'en inverser les effets? Réponse. Oui, après discussion et des informations plus récentes, les lits peuvent inverser les dommages physiques et mentaux causés par les vaccins. Les personnes vaccinées passeront avant les non-vaccinés dans les centres médicaux. Cependant, les personnes vaccinées ne seront pas prises en priorité. Elles passeront après toutes les personnes ayant des handicaps légers ou lourds. Question 2. Est-ce que l'ADN qui a muté à cause des vaccins peut revenir à sa forme originale? Réponse. Oui. L'ADN peut revenir à son état d'origine et les extraterrestres le font en quelques secondes. Mais je ne sais pas si cette partie de la technologie de guérison, de correction de l'ADN, fera partie du programme des lits médicaux terrestres. Zen m'a aussi signalé
que non seulement l'ADN peut être copié à distance, mais que c'est l'imagerie magnétique holographique qui guide les cellules souches pour former des tissus selon une carte précise, un modèle d'ADN décodé par une intelligence artificielle et qui est superposé à un modèle d'holographie lumineuse super précise à haute énergie. Question. Il y a plusieurs pays qui sont en train de mettre en place des lits médicaux. Aux USA par exemple, en Californie et en Floride, en Australie également. Est-ce qu'ils sont en train d'être installés en France aussi? Réponse. Oui, tous les pays sont en train de les installer tous en même temps. Je ne sais pas quelles sont les villes en France, mais je suppose qu'il y en aura dans toutes les plus grandes villes. Lyon, par exemple, où il y aura une grande université avec l'OMS, Paris, Montpellier peut-être aussi, car ils sont déjà très avancés dans le traitement par cellules souches. Question 4. Est-ce que ce sont les grands hôpitaux traditionnels et Big Pharma qui géreront ces centres? Est-ce que ce sera payant? Réponse. Les lits médicaux seront installés dans des centres de guérison spécialisés, d'abord à l'écart des systèmes de santé actuels. Lorsque ces technologies seront officiellement présentées, les grandes sociétés pharmaceutiques en seront éloignées. Les cliniques seront dirigées par l'armée de chaque pays et des services médicaux militaires. Mais ce sera fait en parallèle avec des thérapeutes, des médecins et des soignants extraterrestres bienveillants. Et les terriens et leurs centres agréés le seront par ces mêmes extraterrestres. Il sera aussi pourvu des formations, des apprentissages et des cours dans les différents domaines des lits médicaux et les offres d'emploi. Question 5. Combien coûte un lit médical et les soins? Réponse. Ce sera gratuit pour tous, mais les lits médicaux ne seront pas distribués à des particuliers. Ce ne sera que les centres de soins qui pourront les acquérir. Question 6. Comment les personnes très pauvres ou les sans-abri pourront-elles en bénéficier car ils n'ont pas de télé et en général ils ne s'informent pas? Réponse. Il y aura des équipes humanitaires qui iront vers ces personnes. Personne ne sera laissé pour compte. Question 7. Savez-vous combien de lits seront installés? Réponse. Ils sont répliqués grâce à des technologies avancées et ils peuvent en produire environ 1000 par jour. Question 8 et dernière question. Mon père a eu une lésion cérébrale il y a 30 ans et on lui a enlevé une partie de son cervelet. De ce fait, il est devenu complètement sourd et il a perdu le goût et son équilibre physique. Est-ce que son cerveau pourra être reformé et pourra-t-il entendre de nouveau? Réponse. Oui. Lorsque votre père sera ramené à l'âge de 30 ans, il aura le physique et le mental qu'il avait à cet âge. Quand il était plus jeune, il sera exactement comme il était à 30 ans, plus jeune, plus grand et avec toutes ses facultés intactes. Cette présentation est terminée. Je souhaiterais également signaler au sponsor que j'active la fonction partage pour que vous puissiez partager cette vidéo partout où vous le pouvez parce que ce sont des informations importantes et donc je le laisse à votre décision et à votre choix. Voilà, merci. Je vous retrouve très bientôt pour le volet 4 de cette série consacrée
au bien-être, à la santé, à la beauté et au bonheur chez les extraterrestres. La quatrième partie présentera le gigantesque cosmoport de thérapie extraterrestre qui est stationné derrière la Lune. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.